Et yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des nerfs qui ont été leaks. Euh, ils auraient dû sortir demain, mais finalement ils sont sortis euh, aujourd'hui. Euh, on va dire qu'ils ont été leaks, hein, donc pas de manière officielle, mais voilà. On, on, on se doute bien que ça va être les, les bons nerfs, hein, parce que les cartes qu'on s'attendait ont été touchées. Euh, donc on va voir ensemble pour ces petits leaks qu'il y a eu, et euh, voilà, en quoi ça va impacter la méta, en quoi le, le meilleur deck du jeu va être détruit ou pas, ou au contraire s'il va rester à, au même pour level. On va voir un peu les subtilités. Donc on va commencer par les cartes wild. La première carte wild est l'apprenti la, sorcière, euh, qui passe à 4 de mana, donc euh, voilà, elle posait un problème un peu en wild, donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout standard, mais voilà, une carte qui a été touchée, et ils ont pensé au wild. Une autre carte qui a été touchée du wall, qui est le petit sort à 1 qui infligeait 1 et qui donnait un autre sort qui infligeait 1 aussi. Il coûte maintenant 2 et inflige 2 et donne un autre sort qui infligera 2. En chasseur donc. Maintenant voici la première carte standard. Euh, il là, on s'attaque à un deck qui était encore top méta. Donc là, quand vous croisiez pas de voleur armes euh, c'était sûrement un des meilleurs decks du jeu. Hein, parce que quand vous aviez flux... Vous pouviez faire pièce flux ou flux sur 3. Déjà, avant, il coûtait 2 de mana. Mais c'est quand même une carte assez toxique. Du moins, dans l'archétype, le, le, en fait, ça va être assez toxique. S'il n'y avait pas de Mozaki en soi, l'archétype ne serait pas trop toxique. Mais le fait qu'il y ait Mozaki et cette capacité à tuer vraiment euh, au tour 6, parfois, euh, voire tour 7, de manière assez régulière, si vous aviez flux into flux. Eh bien euh, voilà, ils ont décidé de nerfer ça. Donc ça a été le nerf du flux. Il coûte désormais 4 de mana. Donc euh, fait réduire le coût des sorts de votre deck de 1. Voici maintenant une autre carte problématique. La carte de voleur. Euh, qui est la cape d'ombre. Qui vous rend euh, camouflé euh, jusqu'au tour suivant. Donc votre héros camouflé. Qui va passer à 4 de mana désormais. Et ça a de quoi impacter quand même le voleur arme. Pourquoi Parce que bah, un mana de plus, très souvent, le, le voleur avait de quoi faire des choses. C'est-à-dire que tour 5, voilà, il a besoin de faire camouflage, camouflage into le, le check. Et euh, dans ce cas-là, bah, vu que ça coûte 4, bah, tu peux pas faire grand chose face à une sortie un peu aggro, bah tu vas pas pouvoir faire grand chose à côté. Donc voilà, ils ont nerfé la carte, ça va normalement bien réduire le power level de, de voleur, tout simplement. Parce qu'on va voir, il y a une autre carte de voleur qui a été nerf. On va voir ça tout de suite. Donc, l'autre carte de voleur qui a été nerf, c'est bien évidemment le tchak. Beaucoup de monde s'en plaignait. Et euh, bah pour des raisons évidentes. Parce que le tchak, eh bien, le problème, c'est que voilà, ça arrive tour 7, tour 6 avec la pièce. Et il y avait Cloak of Shadow into Clock of Shadow into Scabs qui arrivait très souvent. Euh, sauf que voilà, c'était un petit peu trop fort. Et il n'y avait pas de compte possible. Ça veut dire que tu mourrais le tour suivant euh, que le, le check a été joué. Donc voilà, ils l'ont passé à 8 de mana. C'est toujours des 4 de camouflage qui sont invoqués. Et euh, voilà, un mana de plus. Donc en voleur arme, ça va être un gros nerf. En voleur voleur, on va dire un nerf un peu moindre. Mais en parlant du voleur-voleur, qui est sûrement le deck le plus solide actuellement avant nerf. On va voir, car il y a eu un autre nerf en plus de Tchak. Donc le voleur qui va bien être touché. Et on s'y attendait, hein, parce qu'avec une présence de à peu près plus de 50% de classe sur le ladder, ça commençait à devenir un petit peu euh, toxique. Donc voilà la carte la plus toxique de la méta qui se fait nerf. Donc le Gnoll qui passe de 5 à 6. Certains vont dire peut-être, oui, bon, c'est qu'un changement de 1 mana, ça va pas changer grand-chose. Sauf que ça a quand même son impact, pourquoi Parce que quand vous faites échanger sur tour 1, vous aviez la capacité de jouer le gnoll sur tour 2, parce que c'est comme si vous aviez pioché 3 cartes, bien évidemment en étant sous maestra. Donc voilà, vous pouviez jouer le gnoll sur tour 2, ce qui était très toxique, et un autre, euh, une autre synergie que vous pouviez faire, c'était passage secret. Vous pouviez faire passage secret et euh, jouer le gnoll directement. Sauf que maintenant, bah le Gnoll va coûter 1 mana quand vous ferez Passage Secret. Ça fera votre pioche naturelle, plus les 4 de pioche de Passage Secret. Donc c'est comme si vous aviez ajouté 4 cartes qui n'étaient pas de votre classe de départ à votre main. Donc le Gnoll va coûter 1. Donc voilà, c'est une subtilité, juste 1 mana de plus. Et ils ont nerf l'attaque. Hein, donc seulement 3 d'attaque, ça va moins tabasser cette fois-ci. Et euh, voilà, donc on va dire qu'il y aura moins de choses débiles à base de Passage Secret Into Gnoll euh, cette fois-ci. Ils vont arriver un peu plus tard, donc ça sera normalement un peu plus euh, soft. Donc euh, ça restera toujours euh, très décent, un hein, gnoll pour euh, aucun mana, enfin très peu cher, mais voilà, c'est déjà plus soft. Euh, la question de quel deck restera encore jouable, on va parler juste après de est-ce que selon moi l'archétype voleur-voleur va rester jouable. On en parlera juste après avoir analysé les deux dernières cartes, nerf et up. Donc voici la dernière carte qui a été nerf, donc une carte de guerrier et qui est, euh, eh bien, il faut faire 3 pirates à chaque fois. Donc les premiers tics, deuxième tics et troisième tick, maintenant, vous allez devoir jouer 3 pirates pour accomplir la quête. Donc en tout 9 pirates. Euh, en quoi c'est un bon changement euh, bah, Apparemment à bas et donc si vous étiez dans ce cas où vous croisiez beaucoup de, de war quêtes, et eh bien c'était une classe assez forte et qui faisait la quête très souvent et voilà si vous on va dire vous êtes à bas elo bah tout le monde ne maîtrise pas les meilleurs decks les plus skillés de la méta donc voilà ça a de quoi punir on va dire ceux qui ne jouent pas encore parfaitement et voilà le gameplay est très facile donc c'est en ça qu'ils ont, qu ont nerfé le deck par contre à haut niveau je pense que ce nerf est peu pertinent donc voilà ils ont vraiment voulu cibler le bas niveau où le deck était facile à prendre en main et très fort en fait et euh, voilà. Alors qu'en haut niveau, vraiment, bah, euh, guerrier quête, on en voit très peu en tournoi, on en voit quasiment aucun top légende, et parce que ça se faisait détruire un peu partout. Donc voilà, le, la classe qui va se faire nerf, c'est le guerrier quête. Et on va voir un dernier up. Cette fois-ci, le up, c'est Rokara. Rokara, que fait Rokara Vous équipe d'une arme 5-2 et changez votre pouvoir héroïque. Votre pouvoir héroïque devient un Inflige 2. Et si vous avez victoire honorable, c'est-à-dire que vous avez tué exactement du bon montant. Euh, la cible euh, que vous visez, et eh bien vous allez gagner 4 d'armure. Et c'est quoi qui va changer C'est euh, 10 d'armure quand vous jouez le DK, au lieu de 5 initialement. Donc voilà, c'est un petit nerf qui peut avoir son importance dans le sens, bah, contre aggro, contre les decks, euh, voilà, on peut un... imaginer que voilà 10 d'armure, 7 de mana, une arme. Franchement, on rejoint un peu plus le power level, bah, d'autres euh, héros, hein, là vraiment l'idée, ça va être de l'armure. Et euh, voilà, ça va booster un peu l'archétype contrôle. Archétype contrôle euh, d'ailleurs, euh, qui, voilà, qui commence à être bah, de retour un petit peu pour essayer de contrer le voleur, la méta voleur. Et euh, bah, avec ce boost d'armure, ça a de quoi faire la différence. Parce que des fois, ça joue à quelques points d'armure. Donc voilà, très intéressant up, euh, selon moi. Parce que l'archétype contrôle a de quoi, a de quoi euh, prendre sa place dans la méta, en fait. Donc voilà, pour les up, maintenant, on va parler en direct. Bah, Qu'est-ce que ça va changer concrètement sur les déclis qu'on connaît Donc voilà, pour le mage, en quoi ça va l'impacter Bah tout simplement parce qu'on jouait flux de l'incantateur. Euh, le flux donc qui passe à 4 de mana et qui a de quoi, bah on va dire ralentir vraiment le deck hein, parce qu'un flux un tour plus tard bah, contre aggro ça a de quoi être très compliqué hein, parce que t'as besoin de jouer ce flux tour 3 parce que tour 4 c'est bah, compliqué par contre ce que tu peux faire c'est toujours siphon de mana sur une créa de d'attaque enfin de PV et euh, faire le flux sur 3 mais voilà ça implique d'avoir exactement la synergie des deux mais sinon voilà je pense que la decklist a de quoi vraiment être plus lente et on a de quoi battre vraiment mozaki bah, plus facilement tout simplement parce que, voilà, 4 de mana, c'est très cher, maintenant. Maintenant, on va voir le deuxième deck qui va être impacté. C'est, euh, donc, le voleur-voleur, essentiellement. Gnoll, c'est quoi Il va coûter 6, on a dit. Et le Shadowcrafter Scabs va coûter 8. Donc, on a dit, on pourra pas faire de Secret Passage. Mais la question, c'est, est-ce que le deck est encore viable Pour moi, il restera viable. Euh, il sera plus facilement contrable parce qu'on ne se prendra pas les grosses sorties assez débiles à, balle de sur, à base de gnoll sur 2. Donc, les probas d'avoir gnoll sur 2, en fait, il faudra forcément la pièce ou avoir fait un secret passage. Euh, on peut envisager par exemple échanger sur 1 et ensuite faire le secret passage à 0. Ça peut être un plan bah, qui fait que le gnoll coûtera toujours 0 hein, parce qu'il coûtera 6, moins 1, 5. Plus l'échange du tour 1, donc ça coûtera 4, à condition que bien sûr vous piochez que des cartes qui ne sont pas des cartes neutres, donc euh, comme Mr Smite et Vipère. Et euh, voilà, donc je pense que la liste restera euh, la même. Donc on ne verra pas de changement de liste. Euh, bien sûr, on peut considérer d'enlever la vipère pour une extorsion en plus, ajouter euh, Vanessa en plus. Euh, D'ailleurs si vous avez envie d'un guide particulier, je suis actuellement en train de refaire les guides, donc j'avais bien détaillé le guide du voleur arme, donc le deuxième qui se fait nerfer, c'est donc celui-là. Donc j'avais fait un guide détaillé du mulligan, de, des situations, quand faire Secret Passage, euh, comment euh, bah, qu'est-ce qu'on garde au mulligan, le plan de jeu, comment tourner autour de vipère, etc. Si un deck particulier que vous avez envie que je présente avec ce même schéma de, de plan de jeu et de mulligan, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Euh, donc voilà, pour la liste, donc, qui va être nerfée scabs à 8 de mana, ça a de quoi vraiment impacter parce que Volor Arm c'est une des classes qui a besoin de euh, faire la camouflage, into camouflage, into scabs, mais là voilà, ça devient plus trop possible, ça veut dire que c'est quoi Bah maintenant les decks aggro vont avoir un véritable avantage contre, euh, contre ce deck. Parce qu'en plus de ça, il n'y aura pas les gnolls très tôt, ils pousseront moins de dégâts, et voilà, ça sera très lent de faire la clock, de, la clock of shadow. Donc voilà, avec Vipère, il y a moyen de vraiment plus facilement contrer la decklist. Donc voilà, je pense que la liste reste très jouable, mais elle aura ses match-ups en fait. Ça va être comme avant, où vraiment Voleur Arme avait ses match-up, mais Voleur Arme aura aussi ses mauvais match-ups et cette fois-ci, bah, avec ce Ska, bah, 1 de ma plus, ça devrait être bien plus compliqué de gagner ses match-ups. Il va falloir énormément une très grosse sortie à base de gnoll très tôt. Donc pour moi, euh, voilà, le nerf était mérité. En soit la decklist favorite que j'ai du moment, donc c'est toujours le voleur garotte, hein, en quoi il va être impacté, bah, le gnoll qui coûte plus cher, le scaps qui coûte un de plus, mais face à euh, justement au voleur qui se fait nerfer, donc le voleur voleur, et bien et voleur arme aussi, je pense que voilà, il y a moyen de retrouver euh, euh, une place dans la méta avec ce voleur garotte. Pour l'instant c'est la liste que j'ai. Euh, finalisé donc euh, par rapport à la vidéo j'ai envie pen finger pour rajouter un cutlass donc vraiment il y a pas mal d'échangeables maintenant et euh, voilà donc ça va être la liste que je vais vraiment tester après nerf et voilà si un deck que vous vous avez envie de tester après ces nerfs après voilà connaissance de cause maintenant de connaissance des nerfs euh, vous me direz dans les commentaires et puis ça peut me donner des idées de deck à présenter euh, prochainement voilà sur ce, bah, j'espère que cette petite vidéo d'analyse de nerfs vous aura plu et on se retrouvera euh, à la prochaine bah, pour une nouvelle vidéo. Sur ce, tchuss